À l'affiche de cette future saison, Gorki et Tchekhov, voilà pour les classiques, mais surtout 14 autres spectacles d'auteurs contemporains, dont 6 créations. Stanislas Nordet ne change pas de ligne, montrer le théâtre qui s'écrit aujourd'hui pour mieux penser le monde d'aujourd'hui. Voilà pourquoi le terrorisme, la notion d'interview ou la ville de Calais seront sur scène à Strasbourg l'an prochain, mais aussi beaucoup de grands noms déjà identifiés ici, comme celui d'Anne Théron. Avoir convoqué ici des artistes forts, ça permet d'abord que Strasbourg soit au centre de la scène française, hein, puisque ce qui est important avec tout ce qu'on fait ici au TNS depuis 2 ans, c'est que le TNS rayonne énormément en France sur les autres scènes françaises. Mais ça aussi parce que j'ai choisi des artistes associés qui sont des artistes qui sont les artistes majeurs, on va dire, de la scène française aujourd'hui. Ces artistes associés, comme Julien Gosselin, dont on a déjà vu de 1666, sont acteurs, metteurs en scène et dramaturges. Depuis 2 ans déjà, on les croise sur scène régulièrement ici, parfois même avec des spectacles dont la thématique ou le texte d'origine sont semblables. Cela abolit les barrières. C'est une programmation de compagnonnage où les spectateurs, autant que les acteurs, scrutent ce dont est capable le théâtre aujourd'hui. Entre les humains, ça grince. À ce titre, voir les spectacles montrés l'an prochain sera comme cette année déjà une prise de risque assumée, puisque pleine de sauts dans l'inconnu. Avec un repère. On ne cherche pas à faire forcément des spectacles qui vont plaire à tout le monde, on cherche des spectacles qui vont créer de la réaction chez tout le monde.